Bonjour, alors tout d'abord félicitations à la personne du Bas-Rhin qui a gagné la vitrine avec la Jaguar. Comme je dis toujours, hein, si vous habitez une grande ville comme Paris, Lyon, Marseille, c'est pas la peine d'appeler. J'ai jamais vu de personne de grande ville comme ça gagner une somme ou la vitrine, ou, etc. quoi. Bon, passons. Sinon, faire pipi dans les plantes contribue à améliorer leur croissance. Merci à Jean-Luc Reichmann. Maintenant, je n'irai plus du tout aux toilettes. Je ferai pipi dans les plantes. Sinon, comme je dis toujours, quand vous passez au duel, vous avez toujours une question facile, une question difficile. Donc là, la question facile, c'était l'eau de vie. Ensuite, bravo à Laetitia. Donc, par contre, alors sur mon autre chaîne, Chasseur d'étoiles de midi, donc je mets le lien sous la vidéo. Vous avez le coup de gueule que Laetitia a passé. Voilà, donc vous verrez pourquoi et le comment. Sinon, elle n'a pas pu faire de coup de maître à cause de Jerry Lewis. Pourtant, bon, c'était assez facile de savoir que c'était lui qui avait inventé le Téléthon. Mais bon, comme je dis toujours, on ne peut pas tout savoir. Et puis donc là, on peut voir donc la nouvelle étoile mystérieuse. Eh bien, le haut, ça me fait penser un petit peu au Colisée. Regardez, ça ressemble vraiment au Colisée. Donc, comme en général, c'est ou bien un homme ou une femme. Donc, bon, comme avant, c'était Jean Carmet. Donc là, je vais partir sur Claudia Cardinal. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va partir sur Claudia Cardinal. Et puis, comme Laetitia est surveillante pénitentiaire, pour celles et ceux qui vivent dans une prison dorée et qui sont condamnés à mort. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Sur notre site, romignon.com, passez une très, très, très bonne journée. Bye bye.